Kamba, le 3 février 1989. Nous sommes en pleine période dite des 5 mois. Ce jour-là, par un bel après-midi ensoleillé, s'est produit en Kamba, berceau du kumbangisme, un fait insolite. Dans l'indifférence totale et à l'abri de tout regard, sorti de la terre, un monticule en forme d'une carte d'Afrique. La dite carte paraissait être sculptée par de mains expertes d'un artiste venu de notre monde. Bien avant sa découverte, le gens passait et repassait à cet endroit précis, sans remarquer quelque chose de particulier. L'apparition de cette carte d'Afrique suscita nombre d'interrogations dans les chefs de certains observateurs. Cette carte, comment est-elle apparue? Que symbolise-t-elle? Bon, c'était juste au moment où nous préparions, le texte final, le rapport final de l'Assemblée générale que nous avions tenue en Kamba. Parce qu'il fallait rendre, papa nous avait contraint à lui remettre le rapport final le plus rapidement possible. Et dans l'entretemps, pendant que nous étions dans les tâches administratives, mais de l'autre côté, tous ceux qui étaient en Kamba entendaient les représentants, qu'ils fussent légaux ou provinciaux, les pasteurs, les musiciens, les jeunes, s'adonnaient aux travaux d'aménagement d'un Kamba. Et on était arrivé juste au niveau, puisqu'on était en train de construire les escaliers qui se trouvent du côté de, vous voyez, latrine, vers la tribune. Tous ces escaliers-là, il fallait aménager pour protéger le temple, sorte que, alors, on était au niveau de l'héliport, puisque là, il y avait un grand ravin. Alors, c'est Papa Dianguenda lui-même qui dirigeait les travaux. À un moment donné, il s'est arrêté. Pendant que les musiciens et tout le monde travaillaient là. Il dit, ah non, mon père me dit qu'il y a quelque chose ici de très important et que si nous fonçons avec les travaux de n'importe quelle manière, nous risquons de détruire ça. Montrez-moi, il s'agit de quoi, mais je ne sais pas. Alors tout un chacun devrait chercher qu'est-ce qu'il y a. Alors les gens regardaient au niveau, en l'air, vers les arbres, partout, les manguiers qui étaient là, mais on n'arrivait pas à dénicher de quoi papa parlait. Dans l'entretemps, nous étions à l'intérieur de l'ancien bâtiment qu'on appelait Zunganissa, qui était un restaurant où les gens prenaient le repas. Là où se trouve l'actuelle éminentiature de papa Simon Kimbangu, donc l'actuel bureau. Bon, alors, finalement, personne n'a réussi. Et on a dit, mais est-ce que c'est tout le monde qui est ici? On est venu faire appel à nous qui étions à l'intérieur de ce réfectoire. Tout le monde qui était là, les papas Tukemboso, les papas Tati, et tout le monde est sorti. On dit non, papa vous appelle. Ils sont partis là-bas. Ils disent non, mon père m'a dit qu'il y a quelque chose ici, mais je ne sais pas découvrir il s'agit de quoi. Ah, et aussi, ont essayé un peu de tâtonner, mais ils ne sont pas arrivés au résultat. Alors papa posait la question, est-ce que tout le monde est terminé là? Il n'y a plus personne dans la maison. Non, il est resté que Papa Kalonzo. Comme moi, je venais fraîchement de Lubumbashi, je n'étais pas quinoa. Alors, j'ai trouvé que je n'étais pas tellement intéressé, surtout que je me battais même avec le lingala que je n'avais même pas encore maîtrisé en ce temps-là. Il dit, bon, moi, je continue avec mes travaux pour arranger les différents feuillages qui concernaient le rapport de l'Assemblée. Alors, il m'a dit, non, allez l'appeler.
on est venu me faire appel. J'arrive, papa Diangende qui me reçoit par une petite déception. Il dit, mais comment? J'appelle tout le monde, toi tu restes là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, pardon papa, il ne savait pas. Il dit, non, j'ai appelé. Il dit, non, on n'a pas dit qu'on appelle tout le monde. Il dit, non, on appelle les gens là-bas. Bon, comme moi j'étais pressé compte tenu du travail que vous nous avez confié, elle dit, non, 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 quand j'appelle, il faut venir. Mais pardon papa. Il dit, bon, tout le monde qui est ici, je leur dis, et je lui dis plutôt, de me dire, puisque mon père, il semble qu'il y a quelque chose ici, mais que je n'arrive pas à découvrir, il s'agit de quoi. Est-ce que tu peux nous aider, ou tu peux tenter aussi, si tu peux nous aider, à découvrir ce qu'il y a. Comme quoi? Il dit, c'est toi de nous dire, c'est un examen que papa nous donne. Ah, alors, juste là où il s'était né, j'ai regardé, j'ai vu que non, il y avait une sorte de géographie. Je lui ai dit, papa, de grâce, si vous pouvez un peu reculer un peu, je regarde par terre. Ici, là où moi je suis, il dit, oui, juste là où vous êtes, je suis en train de voir quelque chose, d'entrevoir quelque chose. Là où je suis, il insiste, il dit, oui. Alors, papa, recule un tout petit peu. Puis ce que j'ai dit, les musiciens, tous ceux qui étaient là, peuvent le témoigner. Alors, quand papa a pris un peu de recul, et j'ai vu qu'il y avait effectivement une monticule de terre sous forme de la carte d'Afrique. Mais à l'envers, c'était renversé. Vous voyez, le cachet que nous utilisons, c'était à cette forme-là. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne pouvaient pas facilement se retrouver puisque c'était à l'envers. J'ai dit, non, papa, je vois la carte d'Afrique qui est là. Papa qui s'étonne, carte d'Afrique, ici. Il dit, oui, montrez-moi. Et je suis parti. Je fais le tracé de cette monticule-là. J'ai dit, non, papa, ça c'est la carte d'Afrique. Il dit, mais comment cette fois? Il dit, non, c'est la carte d'Afrique. Prenez le miroir. Si vous renversez, vous verrez que c'est la carte d'Afrique à la forme normale. Mais telle qu'elle est ici, c'est à la forme à l'envers. Mais ce que je ne vois pas là, c'est peut-être Madagascar. Mais le tout, c'est la carte d'Afrique. Maintenant, tout le monde regarde, fixe bien. Il dit, ah papa, c'est vrai. Et papa qui pose la question à tout le monde. Est-ce que c'est que Mboutakalonzoudi, comme il m'appelait souvent Mboutakalonzoudi, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui papa, c'est la carte d'Afrique. Alors tout le monde a applaudi. Alors papa dit, oui, effectivement, la carte d'Afrique. Alors ce que papa, je lui dis, mais papa qui me pose la question, mais pourquoi c'est à l'envers? Moi je dis, mais papa, là je suis limité. C'est à vous maintenant de nous dire pourquoi c'est à l'envers. Puisque quand tu disais qu'il y a quelque chose, c'est que vous saviez qu'il y a quelque chose ici et vous en avez même l'explication. Les gens présents sur le lieu étaient stupéfaits et se demandaient entre eux, cette carte, que signifie-t-elle? Quel message recèle-t-elle? Personne alors ne put donner une réponse satisfaisante à toutes ces interrogations. Puis, jetant un regard panoramique à l'endroit où se trouvaient les travailleurs, papa Joseph Diangenda Kuntima leur dit, c'est la mission que nous avons ici. C'est pour que vous tous et moi, avec, vous voyez que je suis venu avec mes deux frères. Papa Kisologue est là, papa Delungan est là, et moi-même est là. Et vous tous qui êtes ici pendant cette période, vous êtes les élus que papa a choisi pour venir contribuer à ce que nous puissions tenir maintenant. Cette Afrique qui est à l'envers, que nous tenions, ce n'est pas une tâche facile, pour que nous puissions maintenant la retourner à sa forme normale. C'est ça la mission que nous avons, la mission confiée à l'église kimbanguiste. Est-ce que cette carte date-t-elle de 1921 ou bien ce n'est que maintenant? À quand? Et toutes les pluies qui s'abattent sur une cambe, pourquoi cette carte ne partait pas et ça n'attendait que cette période? Non, c'est une mission noble que nous avons. Que si vous la négligez, c'est fini l'Afrique, on en parlera, puis ça sera effacé complètement. Heureusement que nous nous sommes réveillés à temps et que nous avons pris notre responsabilité à temps pour que on ne puisse pas effacer l'Afrique. Le saviez-vous? Alors c'est comme ça que nous luttons. Cet endroit sera éclairé 24 heures sur 24.
Et en ce temps-là, il a demandé qu'on prenne les pierres, qu'on puisse déjà encadrer pour que les eaux de pluie, avec les escaliers que nous avions construits, voyez que l'eau sera maintenant à flot, qu'on ne puisse plus effacer la carte. Et ce soir-là, il dit, on ne continue plus à travailler. Il appelle les musiciens, allez, on commence à jouer la fanfare. Et le matin, à 7h du matin, juste quand on sortait du temple, au culte matinal, papa Mambanza, papa Dialungana Kiangani et papa Kisolokel sont venus et tous trois ont entouré cette carte-là. Et la fanfare a joué à flot et puis après papa dira, mission accomplie. Quand cet endroit sera éclairé, ça sera comme un témoignage pour vous. Puisque l'Afrique telle que les gens sont en train de cracher sur elle aujourd'hui. Mais plus tard, ceux qui sont en train de chercher à aller ailleurs chercheront maintenant à venir en Afrique. Quand l'Afrique sera ce que mon père dit, alors quand on va demander comment l'Afrique est devenue, l'Afrique était une risée de tout le monde, comment elle est devenue aujourd'hui une quelque chose de beaucoup plus recherché ou bien de beaucoup plus valeureux, alors vous les amènerez ici en Kamba et vous montrerez pour dire voilà le travail que nos pères ont fait et nos grands-pères ont fait pour que l'Afrique ici soit ce qu'elle est. C'est l'église kimbanguiste. Voilà ce que je donne comme explication. Mais seulement pour Madagascar. Il a dit, je vous dirai pourquoi Madagascar n'est pas là. Mais jusqu'à sa mort, malheureusement, il ne nous a pas révélé pourquoi il n'y avait pas cette grande île au niveau de la carte d'Afrique. Quelques années plus tard, le fidèle kimbanguiste de la commune de Nzanza à Matadi, dans la province du Congo central, érigèrent sur ordre du chef spirituel cette bâtisse en vue de protéger ces précieux patrimoines des intempéries. Aujourd'hui encore, la place dite Carte d'Afrique ne cesse de nous livrer ses secrets. Le dernier en date est celui que vient de nous révéler sa divinité Simon Kimbangu Kiangani lors des festivités du centenaire de la naissance de son éminence Joseph Dengena Kuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. C'est ici en Kamba, plus précisément à l'endroit où se trouve la carte d'Afrique, que naquit le vendredi 20 mars 1918 à 6h du matin, Papa Dengena Kuntima, dixit sa divinité Simon Kimbangu Kiangani. Ainsi, contrairement aux afro-pessimistes, Papa Joseph Dengena Kuntima voit un avenir radieux pour l'Afrique, pour ses fils et ses filles. Pour lui, l'Afrique retrouvera très bientôt sa dignité, mieux ses lettres de noblesse longtemps perdues.